Bon, on y va. J'ai hâte de rencontrer cet elfe mystérieux. Qui sait, vous allez peut-être devenir amis. Juste lui parler de Ciri, le reste je m'en fiche. Viens. Ouais, je te suis, t'inquiète, panique pas. Elle a plein. Ah, elle a fait de la lumière autour d'elle. Je sais pas pourquoi, mais... La chasse sauvage. Quoi ? Voilà. Des cavaliers fantômes ? Mais je pensais qu'ils n'existaient pas. J'en étais sûr. Admire les cavaliers inexistants, alors. Ils ont un navigateur avec eux. Un quoi ? Tu peux nous téléporter de l'autre côté ? Je préférerais nous téléporter en lieu sûr. Tu veux vraiment les suivre ? Ouais, t'inquiète, oui, je sais ce que je fais. Tout ça ne me dit rien qu'il vaille. T'inquiète, je sais ce que je fais. C'est pas la première fois que j'affronte la... Ah si. Un équerre en bas. What the fuck? Elle a foiré son portail, c'est possible ça? C'est tout ce que tu sais faire, ça. Il y en a beaucoup, hein. Non mais je vais pas aller dans l'eau, hein. Ça sert à rien d'essayer. C'est marrant, il y a même le sang qui est mis dans l'eau, c'est bien, c'est des petits détails que j'aime beaucoup. Est-ce qu'on peut sauver? Parce que je la sens moyen. Est-ce que je peux régénérer ma vie? Parce que je la sens moyen. Ok, c'est parti. Ouais, mais elle est pas sous l'eau. Hein? C'est quoi ça? Un coffre? Oh. Culotte de pisteur! Ah bah si j'ai une culotte de pisteur, tout va bien! Quel côté? Droite, gauche? Ah, il y a des escaliers, ça doit être par là. Avance, avance, saute, putain! On va pas se battre dans le poison! Un peu de temps. Ce tas d'os, il me dérange. Cool. Mais c'est un peu chaud. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'elle a... Elle a mal TP. C'est genre c'était voulu. Ça m'étonnerait quand même. Je crois qu'elle était de mon côté. On a passé 3 heures pour faire 4 mètres. Je pense qu'elle sera partie. Ça.
résistante. A priori, elle a beaucoup contre le mur, donc c'est parfait. Ah. Tiens. 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 Next. Là, je sens quelque chose. J'arrive, panique pas. Gérald, fais quelque chose. Ouais, mais c'est des rats, mec. Du calme, ce ne sont que des rats. T'es sérieux, t'as peur des rats? Alors que t'es capable de détruire une ville. Lila. Ah Gérald, c'est répugnant. Je t'en prie, débarrasse-toi d'eux. Mais ils sont morts. Ah non. Tu as une idée des maladies qui te propagent? Détruisez les nidras à l'aide de signes ou de bombes. Ok, où sont les nids de bombes? Parce que là, je vois que ça pop à l'infini. Ouais, je sais. Ça, ça doit être un nid. Putain! Putain de rat de merde! Ça, ça va être un nid. Un nid. Lâche-moi! Deux nids. Tu as peur des rats? Tu aurais pu les éliminer d'un simple sort. D'accord, n'en parlons plus. Dis-moi plutôt ce qui t'est arrivé. Il y a quelque chose ici qui perturbe la téléportation. J'ignore comment ils ont réussi à passer de l'autre côté sans encombre. La magie de téléportation de la chasse sauvage est particulière. Ils utilisent des mages spécialisés, des navigateurs. Je me fiche de savoir le pourquoi du comment. Je prendrai plus un tel risque, c'est tout. Allons-y. La chasse sauvage a de l'avance sur nous. Mais on a encore une chance. Tu as perdu la tête? Nous devons partir d'ici tout de suite. Bah tu pars et moi je reste, tu veux que je te dise quoi? Tu peux rentrer si tu as peur, moi je continue. Arrête ça, il est hors de question que je te laisse. Alors, tu te soucies vraiment de ce qui pourrait m'arriver si je continuais seul? Qui a parlé de toi? Je me soucie de ce qui m'arriverait à moi. Dans ce cas, viens avec moi, mais décide-toi vite. Très bien, comme tu voudras. Comment ai-je pu me laisser embarquer dans cette galère? T'inquiète, je te paierai nature. Elle a plein. Ok. Je sais pas encore ce que sont ces symboles sur la carte, mais ça me fout un peu les boules. La reine, la lune. Dommage. C'est lui, c'est l'elfe. Harveig Far Gladiu. Qu'est-ce que c'était? Une illusion? Non, une projection morphotique. Une quoi? Une quoi? C'est une sorte de boîte postale pour magicien. C'est bien plus sûr qu'une lettre ordinaire que n'importe qui peut intercepter. Ok. Pas de doute, c'était un message pour Ciri. La fille de la mouette, c'est elle. La descendante de Lara Doran. Oui, ça ne fait aucun doute. En revanche, je n'ai rien compris à cette histoire de signe de l'épée. Ce serait une énigme? Oui, mais pas trop difficile pour qui sait que l'épée de Ciri s'appelle Ziriel, l'hirondelle. Comme si quelqu'un d'autre que toi savait ça. C'était peut-être le but. Ton mage elfe s'est assuré que seul Ciri pourrait trouver ce passage secret.
Apparemment, il a négligé qu'un type dans ton genre pourrait venir fouiner. Vu ses dispositifs, je pense qu'il s'attendait quand même à des visiteurs indésirables. Espérons que la chasse sauvage se soit heurtée à ses protections. Allons-y dans ce cas. Ok, donc l'elfe et la chasse sauvage sont pas ensemble. Bien. Parce que moi j'avais capté que la chasse sauvage c'était des sortes d'elfes d'une autre dimension. Parce que... Ah, et du coup c'est pour ça. C'est parce... Ok, ok, je comprends. Cadavre. Ok, ok. C'est bon, je comprends. L'ancien port elfe ? Ça doit être comme ça qu'ils sont arrivés. Par la mer. Je me demande à quand ça remonte. Des fantômes ? Yeah, j'adore me battre contre les fantômes. C'est vraiment mon kiff. Attention. Cette vapeur jaune est épineuse. Elle est toxique. Inutile de me couver. Je pourrais reconnaître la morille vulpine les yeux fermés. Vézémir m'a raconté qu'après avoir appris le signe d'Ivni, il a essayé de passer sur ses champignons. Et que s'est-il passé? Les jeunes sorciers. Ce spectre, il tape tellement plus fort que ceux de la dernière fois. Wow. C'est, j'imagine que c'est parce que je suis à la droite. Allez. On a encore un qui se balade là-bas. Il tape vraiment ultra fort. Il a dit Igni sur les champignons, ça fait quoi? Là, ça fait exploser tout. Ah, ils envoient la magicienne. Hein. Ok. Ça a l'air déjà d'aller un peu mieux. Cool. Gérald. Oui, quoi? Faire péter ces... C'est cool, ça je savais pas cette histoire pour faire péter les produits toxiques avec le feu. Pourquoi est-ce que je vais en haut? C'est la bonne direction. Alors, c'était vraiment de la luck, mais le chemin me semblait juste. On va remettre Gwen. Elle arrive. J'aime pas trop ce qui va se passer. Regarde ce pilier, il ressemble à celui de la projection. Ouais, j'ai bien vu, mais c'est le genre de salle où il y a des failles qui se passent. C'était le nom de la jument de Ciri. Apparemment, elle galopait comme un démon. Ok. Mmh. Joli nom pour un cheval. Bon, on se met à sa recherche. Quand tu veux. Trouver quelque chose qui soit associé au cheval de Ciri. Elle a plein. Le Kraken. Un monstre marin. On dirait un peu Kiran. C'est dans The Witcher 2, le Kraken. Qu'est-ce que c'est que ça? Un autre système de sécurité. Pour qui plus que ça. Sérieux, je me bats contre moi-même.
Putain, elle tape ultra fort la miss là. Je peux pas taper avec des coups durs, elle me stun à chaque fois. Mais elle fait pas ultra mal. Ça. Allez, approche. Nickel. Eh ben, ça t'était déjà arrivé, ce genre de truc? Plus ou moins. Un certain Doppler a tenté de m'imiter une fois. Ah, et? Il a détesté. Apparemment, être dans mes bottes est particulièrement inconfortable. Dopplers sont bons par nature. Ah, et c'est pas fini la quête. Ok. Soit. Bah, j'avais trouvé le truc du Kairan. Ah. Un chien de chasse. Je ne vois pas de rapport avec quelqu'un. What? Sa mère la pute! Ah, alors là, je m'y attendais pas du tout. Je me disais, ouais, il va juste regarder. Je m'attendais pas trop le rapport avec. Ok. Pourquoi est-ce que j'ai la sensation que ça va. Donc là, il y a le Kairan. Là, il y a l'autre signe un peu chelou qui t'explose à la gueule. Et idéalement, il en faudrait encore un autre. On va essayer quelque chose. Non. Ça doit être quand le chemin s'ouvre. Il est là. Un cheval dessiné. Ça doit être un indice destiné à Ciri. Du coup. Donc, ça veut dire que le chemin était juste. Putain, fait tellement sombre. J'ai vu un coffre et j'avoue que c'est ça qui m'intéresse. Oh. Nickel. Ben voilà. Je note. Quel pays. Un autre cheval. Presque identique au précédent. Ça veut dire que le chemin est bon. Voyons ce que ça fait. Geralt, je sais pas ce que t'as fait, mais ça a marché. Reviens par ici. Ok. Viens voir, ça s'ouvre. Attends, je vais régénérer ma vie parce que là j'ai déjà presque plus de vie avec toutes ces conneries de. Ok, go. Qui perturbait mes téléportations. Et moi, je sais pourquoi j'ai atterri dans un nid de noyeurs. Tu devrais t'estimer heureux d'être ressorti du portail en un seul morceau. Et tout le monde s'étonne que je déteste la téléportation. Il faut essayer de l'activer. Je crois que c'est une hirondelle. Ça a marché. Bien. Tu es sûr qu'on ne risque rien? On verra. C'est très calme tout d'un coup. C'est une mauvaise chose. Calme avant la tempête. Ouais, c'est pour ça que je sauve. Ouf, c'est quoi ça? Un golem? Nice. J'ai comme un mauvais pressentiment. No shit, y'a un golem en face de nous.
pas le cibler déjà. Est-ce que je peux le stun? Le stun n'a pas l'air très très cool. Putain, il a masse vie. Et il fait ultra mal. Ok, l'affronter de face, c'est pas forcément une très bonne chose. On va l'affronter de profil. Non, 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 une fois, pas deux. Ok, peut-être deux. Laisse-moi souffler. Pourriture communiste! Idéalement, il faudrait que j'ai des fléchettes ou des trucs comme ça. Il est bien lent. Putain, il fait péter mon bouclier à chaque fois, c'est ultra mal. Ah oui, je pourrais pas regagner ma vie déjà. J'ai du pain à la faire. Ouais, c'est bien. Dans The Witcher 2, tu pouvais pas regagner ta vie. C'est bien, je touche pas. Vas-y, Scavana, Scavana. Vas-y, Scavana, Scavana. Tourne-toi. Yes. Easy. Dis-le-moi avant. Mon intuition ne m'a jamais fait faux bond, sorceleur. Ne fais pas l'erreur de la sous-estimer. Des pierres. On va sauver du coup. On va se sauver. Et on est parti. Par exemple, je perçois d'excellentes vibrations à ton encontre, à de multiples égards. Ah, c'était pour l'attaquer à distance, effectivement. Que feras-tu une fois que tu auras trouvé Ciri? Tu as des plans? Tout dépendra de ce qu'elle veut faire. Tu as réfléchi à comment ça se passera? À ce qu'elle te dira? À l'apparence qu'elle aura? Non. Désolée d'être aussi indiscrète. J'ai tendance à oublier. On se connaît à peine. En tout cas, pas assez pour aborder des sujets aussi personnels. Ne t'en fais pas. Ça viendra. Là-bas, un téléporteur. Encore ? Je vais activer en vitesse. Mon petit doigt me dit qu'un autre golem va nous tomber dessus. Quoi ? Mon royaume pour un bain chaud. C'est parti. Ah. On a réussi à traverser le pont. C'est là qu'on a vu la chasse sauvage. Génial. Ça veut dire qu'ils ont une bonne avance sur nous. Allons-y. Ça veut dire qu'ils ont fait tout ça. Putain, la chasse sauvage, il rigole zéro. C'est la chasse sauvage. Mais ils ont fait aux sentinelles du mage, je doute qu'ils soient venus ici pour discuter. Ouais. Tu y croyais vraiment? C'est quoi cette histoire? Ils ont
fait ça aux sentinelles du mage. What the fuck. Mais j'ai aucune chance de les fumer, hein. Ils ont passé un golem et tout. Ils n'ont même pas eu le temps d'attaquer. Je crois que ça va être là. Vous êtes chaud? Moi, pas trop. Ah! Je vais planter. C'est sérieux ça? C'est sérieux ça? Ah non. Splash. Wow. Il a tout glacé. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Le froid blanc. Le mage de la chasse l'a invoqué. Tu peux sceller ses failles. Ça passe à travers. Elles sont trop éloignées. Il faut qu'on se rapproche. Je vais invoquer le barrage de Demacia Crest pour nous protéger. Reste près de moi. Ok, ça marche. Je suis prête. Ne t'éloigne pas de moi. Putain, elle a de la life. Pourquoi est-ce qu'elle veut commencer par le... Enfin, bref. Sans l'orientation des femmes, on va pas se poser de questions. Ensuite, on va dire que mon... Ah ouais, putain. Oh là là, ça fait très mal. Ah non, elle se met juste en face. Okay. Je peux pas me battre avec une épée, par contre, ce serait... Et là, je vois qu'elle prend cher. Mais putain, Geralt! Bon bah. J'ai été un peu surpris de la difficulté. On va déjà changer de signe. On va prendre. On va pas prendre Quen parce qu'il nous attaque pas. On va prendre Hard pour les pousser. Allez, je veux Hard, hein. C'est ça. Qu'est-ce qu'on a vu? Chasse sauvage. Il invoque le froid blanc. Et là, on est parti. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle se reste près de moi. Ok, donc moi je veux mon épée en argent. Et Hard. Ne t'éloigne pas de moi. Ah, c'est bon. J'ai retenu la leçon, je sais comment je vais jouer, t'inquiète. On va péter les doggies. Il n'y aura pas de problème. Vas-y, M'Kala. Ah, c'est parce que mon épée marche plus. Et c'est pas des vrais monstres. Donc du coup l'épée en argent. Mais j'avais pas réparé cette putain d'épée en fait.
Ok. Du coup, parce que là il me dit plus 22 objets rares, épée d'Orienne. Épée en acier, épée en acier. J'ai pas réparé l'épée en argent, j'ai vraiment sucks. Ouais, j'ai peut-être un kit de répa. Est-ce que pour réparer les armes? Ferme-le ce putain de portail. Je crois qu'on va y arriver en fin de compte. Attends, il en reste encore deux, t'emballe pas chérie. Bon, Hard a pas l'air de marcher très très cool, donc on va essayer avec... avec Igni, qui me semble, vu que c'est des créatures glacées, ça risque de marcher un peu mieux. Ah, il fait tellement froid, j'arrive à ressentir le froid dans ma chambre. Fuck. Comment tu peux affronter la faille sauvage sans, si t'as pas un magot avec toi? Ah, il n'y a plus qu'un. Putain, j'ai pas d'épée, j'ai pas de life, j'ai rien. Putain, ils sont beaucoup là, dis donc. Ils reviennent de la live. Wow, 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 wow. Ah, mais ça, c'est des gros, c'est pour ça, c'est des molosses. Non, c'est plus des molosses. Putain de merde, sa mère! J'ai pas regardé ma vie. Non, tu mens, je dois pas tout recommencer. C'est pas possible. Non, je crois que je dois tout recommencer. Putain, non, c'est triste. C'est tellement triste, c'est tellement, j'ai tellement sucks. Yay. Pas mon épée, elle est à 51%. Comment ça se fait qu'elle est passée à 0 d'un coup? Pour obtenir des effets supplémentaires, plus 10 de dégâts contre les spectres. Augmente la puissance d'attaque. Ouais, je vais prendre ça.
Voilà. Ah, ça dure 30 secondes seulement. Et ça, tabac. On l'utilisera pas sur la fin. Soit. Bon, allez, maintenant je suis chaud. Maintenant, plus question de rigoler. Elle reste près de moi. Ouais, je vais rester près de toi. Pas de moi. On va rester sur Ignis. Vas-y, N'Gala. Mon épée est déjà. Ils sont aussi résistants que ça et qu'à chaque fois que je les tape, mon épée elle se nique dessus. Ou c'est parce que je suis sorti un petit moment. Non, non, je ressors plus du. Voilà, voilà, voilà. Un portail. J'avoue, je suis assez curieux de savoir. Une morse, et t'as vu la vie qu'il y a à Saint-Laurent, ça m'a envoyé en moins 20%. Allez, plus qu'un. Cette fois, ça va être facile. T'inquiète, j'ai déjà fait ça. Peut-être. Jamais. Not under my watch. Cette dernière floppy il tape ultra fort. Mais effectivement, avec Ni, je pense que c'est un gros truc qu'ils aiment pas trop. Yes. Yes. On a réussi. Ça va marcher. Tu veux dire qu'il y a plus besoin de pire. Cool. Est-ce que ça va? C'est rien.
ça va passer. Je suis juste un peu fatiguée. No shit. Ne t'évanouis pas. Maintenant que tu me tiens dans tes bras, jamais de la vie. Ce n'est pas que ça me dérangerait de rester ici avec toi, mais... Je sais, je sais. On doit continuer. Elle est cool, cette magicienne. Je l'aime bien. Eh bien ? J'aime bien parce qu'ils te font rencontrer plein de nouvelles magiciennes, comme ça tu vas pouvoir choisir. Laisse-moi faire. D'accord ? Attends, je vais sauver parce que... Non, bon, d'accord, on sauve pas. Alors ça, comme je vous ai dit, je suis assez curieux, parce que j'ai regardé au début du... 33%, non, ça veut juste dire qu'elle va faire moins de dégâts. Mais 20% quand même pour un seul fight. Bien, on peut peut-être encore les rattraper. GG. Sale temps, merci pour ton aide. C'était pas gagné. Heureusement que je t'ai accompagné. Sans moi, tu serais passé, hein. Allez, admets-le. Je l'admets. Il nous attend. Attends, parce qu'il veut... Il nous attend, là, mais moi, je suis pas... Qu'est-ce qu'il veut, machin? Il veut se battre? Sérieux? Ah ouais, ok. Bon, c'est un adversaire solo. On est deux, ça devrait être plus facile, déjà. J'espère! Oh, j'aimerais bien pouvoir récupérer cette armure. Tu es tenace, Duin. Geralt, je pourrais... Recule. Arrête de me donner des ordres. Oh, il est costaud, le mec. Allez, amène-toi. Je me fous, toi, de t'attaquer à une magicienne et un mec. Comme bien. Ah, là, c'est ça, vas-y. Attaque. Non, ok, on va pas faire le foufou, je pensais qu'il y a... Il tape ultra fort, le mec. Et il reste pas stun très très longtemps. C'est quoi ce bouclier? Gérald, regarde, il ouvre un passage. D'accord. Reste constant. Ok, on va juste monter de niveau pour regagner sa vie. Si ça marche toujours comme dans le 2. Ça devrait le faire. Prendre un signe pour les dialogues. Vous ne pouvez pas réaliser cet accent en combattant. Bon, c'est... Ah mais c'est des petits molosses. Ah mais c'est des molosses plus haut niveau. Il a regagné toute sa vie, le bâtard! What the fuck? Moi j'ai pas assez de pain! On va la jouer autrement. Ok, quand je disais autrement, c'était pas voulu. Pas dans ma tête de me faire fumer, mais a priori c'est ce qui va se passer. Oh là 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 là.
là, les tatanes qu'il me met, c'est pas possible. Je peux pas l'attaquer de face, je regagne plus assez de vie là. Le mec, il a une reprise d'attaque tellement rapide avec son... C'est pas réanimé. Et elle le stun, mais elle lui inflige aucun dommage. Tellement de vie les mecs. Plus laisse passer le temps sur la... l'ouverture, plus il gagne de la vie. Regardez toute la vie qu'il a regagné, ce bâtard. Je fais comment moi? Il y a des stuffs qui vont arriver bientôt à... Est-ce que je peux me parer? Je pense pas, mais... Ah si, je peux me parer. Oh! Tellement difficile. Bon, on a de la bouffe, donc normalement ça devrait le faire. Je suis assez perplexe sur la difficulté. On va regagner le niveau maintenant. Et du coup, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Ouais, on a besoin de ça. Yay. Bien ça. Gérald, arrête. Non, non, je me reprends plus le premier coup de la là. Vas-y. C'est pas de faire le pont déjà. Bien qu'elle participe un peu l'autre. Non. Ah, ça y est. Ok, c'est un peu mieux qu'avant. Voilà, on passe déjà la face, ok. Next. Ah, il garde ton calme, reste concentré. Putain! Et la vie. Ah non, il peut la regagner complètement, je pensais que ça allait bloquer. Non, non, il la regagne complètement, c'était super facile. Je suis pas dans une position confortable, là j'aimerais bien changer. Le problème c'est que si j'ai la traque de front, il bloque, et il bloque vraiment comme un bâtard.
Et si j'engage avec la... Ah, on va trouver une faille. Elle était par la droite. Pendant qu'il se déplace par la droite. Pas mal. Là il va nous refaire son. Ok, je crois que j'ai trouvé une faille. Ouais, et je viens de perdre 50% de ma life juste parce que j'essayais d'exploiter cette faille. Voilà. C'est pas possible, c'est pas possible. Ok, je vais remettre un bouclier. Si ça doit pas prendre des risques. Allez bien, il faut une zone dégagée pour faire pomper. Parce que je peux pas prendre de l'autre chose que de la flotte, parce que la flotte c'est vraiment de la merde hein, en termes de regain de points de vie. Un steak. Une pomme. Non là j'ai foie de loup. On va essayer. C'est beaucoup mieux. Putain, j'arrive pas à refaire mon truc de la dernière fois. Mais dans une trop petite cloison. Un bug parce qu'il n'est plus possible de le faire ou du moins pas facilement. On est très bien. Tu es en un seul morceau. Ouh. Tu as mal cru. Je t'en admets. C'est peut-être le laboratoire. Regarde. Putain. Sa mère. Ouh. Bon. Voyons ce que dit le message. Attends, attends, il y a du stuff. J'irai à cet endroit n'est plus sûr. Par d'ici sans tarder. Ne fais confiance à personne, et surtout pas aux sorcières du marais de Torséché. Essaie d'atteindre le lieu de notre dernière rencontre. Le lieu de notre dernière rencontre. C'est un peu maigre comme indice. On va trouver. Il est peut-être préférable que son message soit cryptique. La chasse sauvage est passée par ici, ils ont sûrement vu la projection. Ils ont fouillé partout. S'ils avaient eu plus de temps, ils auraient certainement rayé cet endroit de la carte. Ça ne change rien au fait qu'on en est toujours au même point. Rien de neuf au sujet de l'elfe ou de Ciri. Au moins, nous savons maintenant qu'ils se connaissaient bien, et qu'ils voyageaient ensemble. Je me demande pourquoi ils se sont séparés.
Si la chasse sauvage était aux trousses de l'elfe, il a peut-être voulu éloigner Ciri pour la protéger. Ouais. Mais j'ai plutôt l'impression que la chasse sauvage... Sorcière du marais de Torsépine. Non, Torséchine. Kira, je te préviens. Si tu me caches quelque chose... Mais je n'ai pas dit que... Pourquoi tu m'as caché tout ça? Je t'ai pourtant dit que Ciri avait eu des ennuis avec une sorcière. Je ne pouvais pas deviner qu'il s'agissait d'une moire. De toute façon, si je t'avais dit quelque chose, tu aurais foncé tête baissée. Oui. Il fallait tout de même venir ici pour confirmer le passage de Ciri, non? C'est vrai, calme-toi, Gérald. Maintenant que c'est fait, je vais tout te raconter, évidemment. Tu veux dire maintenant que je t'ai aidé à traverser la caverne? Gérald, tu me fais de la peine. Tu as vraiment une bien piètre opinion de moi. Ou peut-être... des magiciennes en général. Oui, un petit peu. On se demande bien pourquoi. Tu les connais, ces sorcières? Je ne les ai jamais vues, mais... j'ai trouvé un vieux manuscrit à leur sujet dans l'une des huttes du village. Ils racontent que les sorcières de village s'aventurent parfois dans le marais pour jouer les intermédiaires entre les villageois et les moires. Les dames de la forêt. Les moires détestent les étrangers, mais elles protègent la région. Apparemment, ce sont elles qui auraient éradiqué l'épidémie de Vélène. Ok, mais pourquoi je dois me méfier d'elle? Et tu en penses quoi? J'aimerais y voir de simples contes de bonnes femmes, mais j'en ai rapidement eu le cœur net. Les premières semaines après mon arrivée à Vélène, j'ai fait d'horribles cauchemars. Quelque chose m'appelait dans le marais. Une nuit, j'ai décidé d'entrer dans mon rêve consciemment. J'ai confronté la chose. Elle a tout de suite rompu le contact, et mes nuits sont redevenues paisibles. Comment on va les trouver? Comment trouver ces sorcières? Les marais sont vastes et dangereux, mais les moires marquent le chemin pour les paysans qui veulent leur rendre visite. Le manuscrit mentionne un hôtel dans le marais de Torséchine. À partir de là, il faut suivre le sentier des douceurs. Ah! Le sentier des douceurs. Suis-je bête? On ne vous lit pas de contes à Kermorène. Le premier paysan venu te dira que les sorcières vivent dans des maisons de pain d'épices montées sur des pattes de poulet. Je croirai quand je le verrai. Prends ce livre et lis-le. Je crois sincèrement que tu trouveras ta Ciri là. Bien, commençons par chercher un moyen de sortir d'ici. Attends. Il y a du stuff. Il y a du stuff à looter. Plein de stuff à looter. Nous perdons notre temps. Qu'est-ce que c'est? La potion que je lui ai donnée. Apparemment, il s'en est servi. Qu'est-ce que c'est? La potion que je lui ai donnée. Apparemment, il s'en est servi. Coffre. Alors, qu'est-ce qu'on veut d'autre? C'est sans doute lui qui a brûlé ses notes. La chasse n'aurait pas perdu de temps avec ça. Ça veut dire qu'il savait qu'on était à sa recherche. La légende de l'ours. Et on peut pas... J'imagine qu'on peut pas récupérer les notes. Là, il y a des trucs. Un mystérieux mage herboriste. Un mystérieux mage herboriste. Wow! Ça l'a fait, on a fait tellement de loot dans ce donjon. Là, y a étrange. Chose. Mon médaillon vibre, mais je ne vois rien. Qu'est-ce qui cloche avec ce mur? C'est une illusion. Je l'ai senti, moi aussi. Je m'attendais à ce genre de choses. C'est pourquoi j'ai ramené ceci. Qu'est-ce que c'est? Un œil de nez à l'ennemi. Il dissipe les illusions. C'est facile à fabriquer, tu peux garder celui-ci. Il te servira sûrement. Elle est super gentille avec moi, mais je sais pas ce qu'elle veut. Ça te fera un petit souvenir de moi. Elle me kiffe en plus. Merci. Je suis sûr qu'elle me kiffe. Quand vous approchez d'un rapprochement du sommet, il appuie sur A pour dissiper l'illusion. Ok. Facile, non? Voyons où mène ce passage. Encore du fight? Tu sens un courant d'air provenant de la gauche? Il doit y avoir une issue quelque part. Bien. Allons-nous-en. Attends. Et la lampe magique? Quoi tu parles? La lampe. L'elfe me l'a promise en échange de mon aide. Comme je doute qu'il revienne, je vais me servir moi-même. Enfin, si j'arrive à la retrouver. Tu veux bien m'aider? D'accord,
Je vais t'aider. Formidable. Allons-y. Ah bah voilà, tu vois, je sais bien que les elfes, elles, hein. Enfin, que les magiciennes, elles ont toujours quelque chose. Elle a plein. Toujours. Forcément, il y a quelque chose ici. Ça m'a tout l'air d'une autre énigme. Putain, ce donjon, il est immense. Une autre énigme. Je vois rien, moi. Qu'est-ce que tu dis? Attends, on va déjà regagner la vie, parce que je sens qu'il va y avoir des autres fights. Qu'est-ce que c'est? Une inscription par ici. Fais voir. Tu pourrais me traduire l'inscription. Je peux me tromper, mais le peu que j'en comprends n'a pas le moindre sens. Donne-moi un instant. J'ai jamais été très doué pour la langue ancienne classique. Bon, voilà. Je te préviens, c'est un peu littéral. Je suis incapable de rendre justice aux rimes internes du texte. C'est sans importance. Vas-y, je t'écoute. Allez. Quatre gardiens, quatre flammes, fièrement alignées. Le premier qui alluma sa torche n'osa pas aller jusqu'au bout. Le second, à ses côtés, jouait une triste complainte. Le troisième flattait son compagnon fidèle. Le quatrième, du premier éloigné, jouait lui aussi un air. Ainsi veillait-il sur leur reine, endormie sous les étoiles scintillantes. Je suis assez balèze, normalement, en énigme. Ok. Bon, essayons de trouver la solution. Il doit y avoir. Ok, donc ça, c'est les mecs de la complainte, forcément. Donc, est-ce qu'ils ont... C'est tous les mêmes. Il y en a un qui a un chien. Non, c'est pas tous les mêmes. On a deux les mêmes. Faisons un essai. Faut juste deviner le bon ordre. Quatre statues en tout point identiques. Non, il y en a qui ont des claps et il y en a qui en ont pas. Donc j'imagine que ceux qui ont les claps, c'est... Faisons un essai. Faut juste deviner le bon ordre. Quatre statues en tout point identiques. La torche s'est éteinte. Ok, génial. On a dû se tromper quelque part. Ouais, mais alors elles sont toutes identiques. Mais il doit y avoir quelque chose qui les démarque. Voilà. T'es sérieux, c'est pas celle-ci. Donc la première, on va essayer de jouer avec l'inscription parce que je t'avoue ça me ferait un peu chier. Je peux pas lui demander de me relire l'inscription. Quelle est l'inscription exacte déjà? Quatre gardiens, quatre flammes, fièrement alignées. Le premier qui alluma sa torche n'osa pas aller jusqu'au bout. Le second, à ses côtés, jouait une triste complainte. C'est lui. Le troisième flattait son compagnon fidèle. Le quatrième, la torche s'est éteinte. Chut. Et là, il y en a deux. Est-ce que pour moi... Ça, c'est le premier. Et donc, le compagnon fidèle... Quelle est l'inscription exacte, déjà? Quatre gardiens, quatre flammes, fièrement alignées. Le premier qui alluma sa torche n'osa pas aller jusqu'au bout. Ok, donc lui. Le second, à ses côtés, jouait une triste complainte. Donc c'est lui qui est à ses côtés. Le troisième flattait son compagnon fidèle. Le quatrième... Attends, il se passe quelque chose. Il y a du mouvement derrière ce mur. Parce que là, du coup, voilà, c'est celui qui est à ses côtés.
Ensuite, flattait son compagnon fidèle. Et en fait, le compagnon, c'est pas la statue, c'est le chien. Le premier qui alluma sa torche n'osa pas aller jusqu'au bout. Le second, à ses côtés, jouait une triste complainte. Le troisième flattait son compagnon fidèle. Le quatrième, du premier éloigné, jouait lui aussi un air. Ainsi veillait-il sur leur reine, endormie sous les étoiles scintillantes. Lui, c'est le dernier. Lui, c'est le troisième, je suis sûr. Juste deviner le bon ordre. Oh là là, je suis un génie. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils ont un truc dans la main et j'imagine que c'est une guitare ou un truc avec quoi ils font de la musique et c'est comme ça que tu les départages. Voilà, il fallait juste que je trouve le premier. Wow. À qui peut bien appartenir cette tombe ? Elle ne porte pas la moindre inscription. L'hirondelle encore ? Le signe de la mouette. Si je ne savais pas déjà où elle est enterrée. Je dirais qu'il s'agit du sépulcre de Lara Doran. C'est peut-être un monument en son honneur. Je vois mal les elfes ériger un monument à sa gloire. Pour certains, elle est l'héroïne d'une légende tragique, mais la plupart d'entre eux la voient comme une traîtresse et pensent que son destin est une juste punition pour avoir épousé Kriganan de Lonne. Le mage elfe est peut-être un descendant de Lara. Ça expliquerait pourquoi il aide Ciri. C'est possible. Histoire de famille. C'est ça que tu cherches. À quoi ça sert au juste? J'espère que je parviendrai à l'activer. Fiche en camp d'ici. Attends, il y a peut-être du stuff. Toujours du stuff. Voilà, du bot. Ouh, une note. On a plein de trucs à lire. C'est un golem là-bas que j'ai vu. Non mais à part ça, il va jusqu'où ce donjon? Parce qu'il est, il est immense. Génial. Ouais, trésor caché. Exactement. Il est résistant ce golem, dis donc. Ah, je suis décidé, c'est pas mal. Il fait des charges. Quand il tape, il arrive à taper dans son dos aussi. Et si je l'attaque de face, il fait 0 damage, c'est pas possible. Wow. Il est résistant pour une sorcière. Putain. Putain, ce donjon, je crois que ça fait une heure que je suis dessus. Et je suis mort au moins 7 fois.
Et je vous avoue qu'en termes de difficulté, c'est rare de voir des jeux actuels qui vont aussi. Okay. Inventaire. Non. Personnage. On a acte un nouveau truc. Général qui draine votre vigueur tant qu'il est actif et à chaque attaque bloquée, ça régénère votre vitalité. C'est ça que je veux. Pourquoi je peux pas? Cool. J'ai pas compris le signe alternatif. Mode signe alternatif. Puis maintenir Q. Manquait plus que ça. Je comprends pas le signe alternatif. Faut que je maintienne Q, c'est juste. Tant que je te tape le dos et en coup dur. Par contre, elle commence à faire ses chars. Très bien, allez, quoi que ce soit, il va faire sa charge. Comment activer les signes alternatifs à part ça. Un coffre ou quelque chose? Parce que bon, ça reste quand même un boss, non? Et quelque chose au milieu de la pièce, mais je comprends pas. Je comprends pas ce qu'ils veulent que je fasse. Ah voilà, un petit coffre. C'est ça que je veux. Plaque d'acier. Un autre coffre. Yay! Une bombe. Un autre coffre. Yay! Un autre. Non. Putain! Allons-y. Il n'y a rien dans cette pièce, on est d'accord. J'espère que je passe à côté de quelque chose de cool. Ah! Yay! Parce que là, je vois bien qu'il y a plein de stuff à récupérer. Non, je crois que c'est tout. On a tout looté. Juste sauver parce que si jamais je meurs ça va m'embêter de relooter tout ça. Du minerai de fer. Oh là là, tellement de loot, tellement de stuff. Incroyable. Incroyable. Encore. Non, c'est petit. Je crois qu'on a chopé tous les trucs cachés qu'il y avait. Résultat, tout est bon. Trouvé, on peut se partir. Génial. Un site d'énergie. Devrait y puiser. Je l'ai pas déjà puisé. Si, si, mais ok, ils veulent que je repuisse. Tant pis. Plus qu'à partir d'ici.
Je crois que ce fut rentable. Je me suis fait plein de stuff. Il faudra que je trie tout ça. Je ferai ça la prochaine fois ou après cette histoire. On va attendre notre copine. Allez, viens. Viens, Magatha. Oui, parce que pour moi, elle s'appelle Magatha. Une illusion. Et voilà. Fou, ça, c'était de la quête. Ça, c'était de la sacrée quête. Oh, il était temps. Enfin, ça en valait la peine, non? Tu as tout de même appris quelque chose sur Ciri. Si jamais tu t'aventures dans le marais de Torséchin, viens tout me raconter à ton retour. Je ne sais pas si j'aurai le temps. Écoute, Geralt, il y a deux types d'hommes. Ceux qui saisissent la chance quand elle passe, et ceux qui la provoquent. J'ai toujours pensé que tu étais plutôt du genre à la provoquer. En plus, j'ai une faveur à te demander. Alors, passeras-tu me voir? Oui, je n'y manquerai pas. Dans ce cas, je t'attendrai. Au revoir, Kira. On va la pécho. On va la pécho. Fou, cette quête de fou furieux. On a même un bateau qu'on peut utiliser. On peut utiliser le bateau. Comme c'est cool ça. Comme c'est tellement cool, on peut utiliser le bateau. Wow, what the f... What? Ah ouais, on est bien loin. Non, non, mais là, c'est fini de jouer. Faut que je bouge. Bon, j'ai pris un niveau, j'ai pris du stuff. Wow. Non, mais elle est beaucoup mieux celle-ci. Ensuite, des bottes. J'ai aussi des gants, il me semble. Voilà. Ce up de fou en termes de dégâts qu'on se tape. Plus 192 à la vitalité, what? Voilà. Ah bah c'était cool hein. J'ai douté un peu mais j'aurais pas dû, écoute. C'est bien rentable. On a quoi comme quête? Alors, affaire de famille, ouais. Avelaine. Bon bah de toute façon je vais aller au marais de Torréchin. C'est là où je vais trouver Anna, je vais commencer par ça. Plus c'est niveau 6, c'est parfait. Je crois qu'on va faire, je ne vais pas faire des quêtes principales, on va faire des petites quêtes secondaires et ensuite j'irai faire le reste. Ça me semble bien.